Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, voilà, je me suis acheté une nouvelle lampe de bureau pour faire mes coloriages et mes diamond painting et qui me sert également pour mieux éclairer quand je fais mes vidéos du coup. Donc je vais vous montrer cette lampe que je trouve superbe. Voilà, qui marche nickel. Et vous avez vu passer Fifi, comme d'habitude. Voilà, petit bisou. Et comme ça, je vais vous la montrer. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour la retrouver si jamais elle vous intéresse. Elle n'est pas chère du tout, en plus, entre 25 et 29 euros. J'ai plus le prix en tête, mais enfin, je vais vous le remettre sur la vidéo. J'avais une lampe avant que j'avais achetée à Lidl, là, il y a une quinzaine de jours. Mais bon, elle me dépannait bien, mais ça faisait une lumière jaune et je n'aimais pas. Celle-ci a plusieurs intensités. Donc, elle fait lumière douce, chaude, jusqu'à la lumière froide, donc blanche. C'est ce qui m'intéresse le plus pour moi. Et en plus, je vais vous montrer, sur le pied, on peut en même temps recharger son téléphone. Voilà, bon. Ça c'est un petit gadget en plus, mais ça permet d'avoir une prise en moins, justement, sur la... J'ai une multiprise sur mon bureau, bah ça me permet de mettre une prise en moins sur cette multiprise. Voilà. Donc, je vais vous montrer cette lampe tout de suite. Donc, voilà. Pardon, je passais les doigts devant. Donc, vous avez Fifi, comme d'habitude, qui a squatté le bureau. Donc, voilà. Bon, celle qui ne connaissait pas encore mon bureau de coloriage, c'est le nouveau bureau. Hein. Donc, voilà. Et vous voyez, c'est ici que je vous fais les vidéos. Donc, il y a mon pied, ma caméra qui est là. Voilà. Vous voyez, je vous la montre en même temps parce que vous ne l'avez pas encore vue, je pense. Voilà. Donc, voilà la lampe. Hop, là, je ne l'ai pas encore allumée. Je vais vous l'allumer. Et donc, voici le pied avec... les différents réglages. Donc pour l'allumer, c'est tout simple, c'est ici. Hop là, ça éclaire bien. Et donc là, il y a le moins, c'est si on veut moins que la lampe éclaire moins, bien sûr. Voilà, là, vous voyez, elle se baisse déjà là pour qu'elle éclaire plus. Voilà, ici. Attends Fifi, je vais la descendre. Alors ici, on a une lumière toute douce, voyez. Vous voyez par rapport au pied. Hein. Là, la lumière se baisse encore. Donc c'est la lumière nuit. Par exemple, si vous êtes dans votre lit, si vous voulez lire. Alors là, j'y touche pas parce que c'est pour c'est un chronomètre, si vous voulez. Donc la lumière peut changer d'intensité toutes les 60 secondes. Donc celle-là, je n'y touche pas parce que moi, je ne m'en sers pas. Et celle-ci, donc voilà, moi, c'est celle que je me sers. Donc c'est celle qui éclaire le maximum. Donc ici derrière, vous voyez. Vous avez la prise pour le téléphone. Voilà, donc c'est le petit gadget. Hein. Et donc, voilà la lampe. Alors, attendez, je vais peut-être l'éteindre. Parce que sinon, je n'arriverai pas à vous le montrer. Voyez, donc,
Là, ce sont des LED, comme ceci. Donc, elle se plie, elle se tourne. On peut la plier entièrement. Voilà. Je peux encore la plier complètement à plat. Voilà. Si vous voulez partir, partir en voyage, vous avez bien de votre lampe pour partir. Ben, vous voyez. Oups. J'ai appuyé sur le bouton en même temps. Voilà. Allez, éteins-toi. Attendez, je vais la remonter. Attendez, je pose le téléphone une seconde. Voilà. Donc, vous avez vu, vous pouvez la plier entièrement. Bon, avec une main, c'est pas facile. Hein. Et voilà. Hop. Et donc, moi, quand je fais mon coloriage, donc, je l'allume et voyez. Hop, voilà. Du coup, j'avais baissé l'intensité. Et au niveau lumière, maintenant, vous voyez, c'est vraiment très, très clair. Avec un livre, peut-être. Vous voyez comment ça éclaire bien. Elle est vraiment nickel, hein, cette lampe. Donc, la dernière vidéo, je vous l'ai fait avec cette lampe. Donc, là, au moment où je vous filme, j'ai pas encore vu vos commentaires, bien sûr, puisque à l'heure où je vous filme, la vidéo, la dernière vidéo n'était pas encore en ligne. Mais donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, là, j'adore vraiment cette lampe. Et vous voyez, donc je peux la pencher encore. Oups. Mais bon, je vous dis, avec une main, c'est pas tellement facile. Attends, hop, voilà, je vais l'éteindre. Donc voilà. Allez, on va la remettre. Hop, désolé. Donc voilà, et puis bon, elle prend pas tellement de place sur mon bureau. Parce que bon, elle est quand même plate. Par rapport même à la caméra, ça ne me prend pas de place. Voilà. Donc, comme j'avais expliqué pour les vidéos qu'on m'avait dit qui étaient un peu floues, donc j'ai changé mes objectifs de caméra. Donc maintenant, j'espère que ça va mieux. Bon, là, je suis en train de vous filmer du coup avec le téléphone, donc c'est pas pareil. Donc voilà, la petite lampe que je voulais vous montrer. Donc j'espère que j'ai pu bien vous la montrer. Donc, si vous avez des questions dessus, ben, n'hésitez pas. Hop, vous voyez, là c'est ma lampe, mais de broderie là. Mais bon, elle commence à avoir un... Celle-là, pour... Oui, ben alors. Ben oui, mais il faut ranger les papattes. Il faut ranger les papattes. Et cette lampe-là, elle a plus de 5 ans. Et vous voyez les LED, là, ils commencent à avoir un coup dans la figure. Et le problème avec cette lampe, donc c'est une lampe pied, hein. Il y a un pied tout du long, hein. C'est ce qu'on appelle une lampe jetable, malheureusement, qui coûte très cher, parce que ça, ici, les LED ne se changent pas. On ne peut pas les changer. Donc, une fois que les LED sont complètement morts, donc là, ils sont en train de mourir de leur belle mort en ce moment, ben, la lampe, ma lampe entière sera à jeter. Voilà, je ne pourrai plus rien en faire, malheureusement. Si j'avais su ça avant, je ne l'aurais pas acheté. Je l'avais acheté à la maison du canevas. Et malheureusement... Oh, pardon. Si j'avais su, ben, je ne l'aurais pas acheté. Voilà. Ce n'était pas marqué, hein, sur la notice, sur le site, que les lampes ne se changeaient pas. Et parce que c'est quand même une lampe qui coûte plus de 100 euros. Et bon, qui fonctionne super bien, hein, mais bon, là maintenant, je vous dis, les LED commencent
à clignoter. Donc, j'ai de plus en plus de mal à broder avec cette lampe. Mais bon, là, on verra plus tard. Ce qui est dommage, c'est que voilà, on ne peut pas. J'avais pris contact avec la maison de canevas et je leur ai posé la question si je pouvais retrouver le cercle lumineux. Et ils m'ont dit non, ça ne se vend pas, ça ne peut pas se trouver. Et la lampe est jetable. Voilà, alors, tout le lampadaire, si on veut, je dois tout jeter pour acheter une lampe. Voilà, mais bon, ça je verrai plus tard. Donc voilà, je vous ai montré cette nouvelle lampe de bureau que je me suis achetée et qui va bien me dépanner maintenant pour mes coloriages, pour mes diamond painting et surtout pour mes vidéos. Voilà, que je pourrais bien éclairer maintenant. Donc j'espère que ça ira beaucoup mieux pour surtout pour vous pour voir mieux les vidéos. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez la retrouver. Si vous avez des questions sur cette lampe, bah, allez-y, n'hésitez pas hein, de me demander, je vous répondrai. Bon, je vous dis, j'ai quand même essayé de charger mon téléphone dessus, hein, ça marche impeccable, comme si j'étais sur une prise électrique normale. J'ai chargé mon téléphone cet après-midi dessus, j'ai pas eu de soucis, donc non, elle est nickel. Bon, par contre, je pense aussi que c'est de toute façon, maintenant toutes ces lampes-là sont. On ne peut pas changer les lampes. Je ne pense pas non plus. Bon, là, j'ai pas vraiment bien regardé, mais je ne pense pas. Mais maintenant, les trois quarts de lampes comme ça, c'est très rare qu'elles sont faites pour qu'on puisse les réparer. Malgré que on dit maintenant, il faut faire des... Il faut construire des appareils réparables. Ben non, j'en ai eu la preuve ben, la semaine dernière, il y a 15 jours, avec mon téléphone. Donc ça c'est à nouveau hein, que j'avais repris avec chez mon fournisseur de téléphonie. Le matin je me lève, puis c'est le noir complet, plus rien. Il ne s'allume plus, il ne se charge plus, donc c'est la batterie qui est morte. Mais pour changer la batterie, ben, il faut soit bien s'y connaître. J'ai regardé des vidéos sur internet, il faut déjà une heure pour changer sa batterie soi-même. Il faut décoller l'écran, il faut décoller un truc en métal qui est à l'intérieur, il faut décoller la batterie. Alors qu'avant, on ouvrait le portable, on enlevait la batterie, on remettait une batterie. Voilà, et maintenant, non, c'est fini. Tout ça, c'est fait exprès pour qu'on puisse racheter des téléphones après. Voilà. Mais bon, ça va, j'en ai eu un euro. Donc, avec mon forfait, mon téléphone ne faisait qu'un euro. Mais bon, quand même, c'est du jetable. Parce que là, comme il est complètement mort, je ne peux même plus le revendre. Voilà. Bon. Bon, c'était pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'était pour vous montrer cette nouvelle lampe de bureau qui va bien m'aider maintenant dans mes coloriages, mes diamond painting et mes vidéos. Voilà, je me répète. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Et je vous dis, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas en commentaire et j'y répondrai du mieux que je pourrai. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.